Eh bien, yo tout le monde, c'est Corico TV. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur appuyez-vous sur le bouton. Alors c'est parti. Il n'y a plus de pubs qui surgissent n'importe quand sur ton téléphone. Elles apparaîtront sur le téléphone de ton meilleur ami, ta meilleure amie. Ok. Tu as pressé le bouton. Alors. 80,4 personnes, % des personnes sont pressées et 19% de personnes ne l'ont pas fait. Dites-nous ce que tu as pensé de cette question. Alors, toute la famille sera en excellente santé pour toute leur vie. Tu seras obligé de regarder un spectacle de Kev Adams par jour. Non. Ok, d'accord. Tous les vœux que tu souhaiteras se réaliseront, mais tu devras à chaque fois précéder ton vœu de la danse des canards. Je trouve ça me va. Parce que tu peux faire le vœu d'arrêter de faire la danse des canards. Regarde, tout le monde l'a fait. Hop. Tu peux avoir tous les pouvoirs que tu souhaites. Une personne dans le monde les obtiendra aussi. Bah, tant que c'est quelqu'un de pas délirant, à part si c'est un méchant. Non. Mais en fait, c'est des bâtards. Tu peux faire de la télékinésie, faire bouger les objets par la pensée. Si quelqu'un touche un objet sur lequel tu as utilisé ton pouvoir, 10 personnes dans le monde perdront toutes leurs chaussettes. Bah oui, on s'en fout. Tu seras l'acteur, l'actrice, le ou la plus connue sur Terre, mais tu n'auras jamais d'Oscar. Non, ça sert à rien du coup. Tu peux incarner un personnage d'Harry Potter, mais tu devras vivre intégralement dans sa vie. Ça ne me dérange pas. Mais c'est sérieux? 36% des personnes l'ont pressé et 63% des personnes ne l'ont pas fait. Tu deviens la personne la plus belle, intelligente, attirante, forte du monde et tu obtiens tous les super pouvoirs possibles et imaginables. Mais il y a une invasion extraterrestre, juste une, et tu dois la régler toute seule. Non, mais en fait, je m'en fous. En fait, 83% des personnes l'ont pressé. Et 16% des personnes ne l'ont pas fait. Moi, je le ferai pas. Ah, voilà, bon, mais en fait, c'est une chaîne qui n'existe pas. Tu peux. Abonnez-vous. Tu peux entrer dans un jeu vidéo en claquant des doigts, mais ce jeu est vraiment nul et personne n'y joue. Ouais, ça va. Mais ils sont sérieux! Tu as le pouvoir de sauver la vie d'une personne aux portes de la mort, mais une autre personne mourra aléatoirement dans le monde à sa place. Non. C'est des traîtres? Tu as une vision thermique, mais tu as un œil aveugle. En fait, si t'as moins un œil, ça change rien, en fait. Du coup, oui. Ah, merde. Tu peux te transformer en Pokémon, mais un Pokémon aléatoire. Ah bah, ça me va, moi. Tant que je rentre pas dans une Pokéball. Dooms est ta meilleure amie, et Sensep te déteste. Oh non, Game of Thrones. Mais je m'en fous.
Allez, au revoir. Tu peux avoir tout ce que tu veux, mais tu ne pourras pas l'obtenir qu'après être resté une heure sans rien faire. Oui. Hop. J'ai pas compris, mais bon. Tu peux avoir la voiture de tes rêves gratuitement, mais tu dois aller dans le pays où la voiture a été créée pour l'obtenir. Je m'en fous. Tu peux utiliser une touche muet sur n'importe qui, mais tu ne pourras pas la désactiver pendant 24 heures. Ok. Alors, tu peux vivre dans la maison de tes rêves, mais tu n'en seras jamais le ou la propriétaire. Perso, les gens, moi, j'aime pas. Ça sert à rien. Tu as le frère, la sœur de Farol Games, mais à cause de toi, il ne fera plus aucune vidéo. Voilà, de toute façon. Tu n'auras plus jamais besoin de travailler et tu recevras plus de 9000 euros par mois sans rien faire. Mais tu ne pourras plus regarder des vidéos de Natou. Je m'en fous. Hey. Tu as le pouvoir de voyager dans le temps. Mais tu devras payer la distance parcourue dans le temps avec ton espérance de vie. Ok, non merci. Non, mais je m'en fous de Mobile Strike. Oh, mais c'est de la merde en fait. Tu peux jouer de n'importe quel instrument, mais tu chantes comme une casserole. Ça sert à rien. Mais ça sert à rien. Tu peux avoir de l'argent en claquant des doigts, mais tu devras quand même travailler. Je m'en fous. Tous les humains ont un super pouvoir, y compris toi, mais tu ne seras jamais si tu es dans un rêve ou dans la réalité. Je m'en fous. Tu peux voler, mais tu ne peux plus boire d'alcool. Mais je m'en fous, je suis un enfant. Hey. Tu peux protéger à distance n'importe qui pendant ce temps. N'importe qui, mais pendant ce temps, tu es vulnérable. Ok. Non, merci. Tu es suivi d'un ange gardien qui est visible uniquement par toi. Il te protégera et te donnera de très bons conseils, mais il te suivra même aux toilettes. Attendez, je pense ça dans ma tête. Je m'en fous. Tu pourras avoir tout ce que tu souhaites, mais à chaque fois que tu invoqueras un objet, tu auras la chanson de Stromf dans la tête pendant 2 heures. Moi, je m'en fous. La Stromf, la nanana. Bon, bah, les gens, c'est la fin de cette vidéo. Merci de la partager, de l'aimer et de vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous aimez bien ce que je fais sur téléphone. C'était Coréco TV. Ciao.